Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième module. Dans ce module, nous allons aborder les marchés climat, mais aussi les marchés carbone, d'après le protocole de Kyoto. Je m'appelle Séni Salak et je vais vous aider en version française pour prendre l'essentiel donc de ce cours dirigé par le professeur Goodwell Namo. Le plan de ce cours se présente comme suit. Nous allons aujourd'hui regarder l'accord de Paris dans sa globalité. Ensuite, essayer de vous donner une meilleure compréhension des contributions déterminées au niveau national, ce qu'on appelle dans le jargon les CDN. Mais également regarder les aspects du marché dans l'accord de Paris et les impacts sur les émissions de Glasgow, ce que nous avons appelé les net nuls ou bien les net zéro. Alors, l'objectif de ce deuxième module, justement, c'est de vous aider à mieux comprendre, justement, comment les marchés climat et carbone ont évolué entre-temps. Et porter un focus particulier, un focus sur l'accord de Paris et les dispositions justement qui y sont, qui s'y adhèrent en termes de bilan net carbone, on dit net zéro, d'ici 2050, conformément donc aux ententes de Glasgow. Ensuite, avoir un peu une meilleure compréhension des dispositions des CDN. Quels sont les engagements que les pays ont pris et en quoi est-ce que cela est-il lié donc au marché carbone? Alors, le marché carbone dans sa globalité a pour objectif de présenter l'évolution des marchés du climat et du carbone après le protocole de Kyoto, en mettant en évidence, bien sûr, tous les aspects particuliers que nous avons dans l'accord de Paris, mais aussi dans le pacte de Glasgow. Qui vise des objectifs d'équilibrer les émissions d'ici 2050 dans l'atmosphère. Donc, pour ce faire, nous allons justement aborder ces quatre thèmes-là, dont l'un des premiers thèmes, c'est l'accord de Paris lui-même, et puis les CDN, les marchés, ainsi que le pacte de Glasgow. Alors, pour mieux comprendre l'accord de Paris, c'est sûr que vous êtes souvent posé cette question-là, mais il y a une petite vidéo de 2 minutes qui peut vous faire un aperçu de tout ça. Mais nous allons essayer aussi, je vais essayer aussi de vous en donner un peu plus dans cette présentation. Vous vous rappelez de cette image qui a fait le tour du monde quand l'accord de Paris a été ratifié. On l'a vu en live, c'était émouvant. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'il contient et comment est-ce que nous sommes engagés, nous individuellement, mais aussi nous collectivement, à travers nos pays, que nous appelons aussi les parties. Ce diagramme résume en gros les grands objectifs, les deux grands objectifs donc, de l'accord de Paris et les composantes, les quatre composantes qu'il contient. Les deux grands objectifs de l'accord de Paris sont la réduction des gaz à effet de serre pour aboutir à un équilibre de ces gaz-là dans l'atmosphère, ce qu'on appelle le net zéro, mais également le développement, l'objectif global de développer la résilience face donc, aux effets des changements climatiques. En son sein, il est en quatre composantes majeures. La composante atténuation, adaptation et la partie soutien, support pour, qui concerne le financement, le renforcement des capacités de transport des technologies, etc. Et le tout est couronné par un système de mesurage, rapportage et vérification qui est en gros dans le concept ou la composante qu'on appelle transparence et comptabilité. Ce graphique ici vous donne les différents articles qui constituent l'accord de Paris.
Et chacun de ces articles est une sorte de, voilà, un libellé bien défini. Et ce libellé contient pas mal de réglementations que les parties sont censées respecter. Donc, le premier article fait la définition globale des terminologies à l'intérieur du document. Ensuite, l'article 2 donne les objectifs et les bases scientifiques. Et vous avez jusqu'à 15 articles allant donc des mesures d'atténuation, la contribution individuelle donc des parties, les marchés carbone et forêt, les deux marches de coopération, l'adaptation, les pertes et dommages, les mécanismes de financement, le développement des transferts et des technologies, le renforcement des capacités donc des parties, l'éducation, la formation et la sensibilisation, la transparence, comme je l'avais dit, et également des aspects liés donc à comment on vient faire l'état des lieux et le bilan, ainsi que la mise en conformité pour la standardisation. En 2015, bien sûr, il a été ratifié, mais il fallait qu'il passe dans les différents pays pour être encore ratifié de manière un peu plus spécifique à travers les parlements des pays, à travers d'autres mécanismes. Le 4 novembre 2016, l'accord a commencé à prendre vigueur. Et à ce moment-là, on avait 73 pays plus l'Union, les pays de l'Union européenne qui avaient adhéré. En ce moment, déjà, on était avec un espoir de 55% donc des émissions qui pouvaient être gérées. Mais bien sûr, entre-temps, les gens ont beaucoup évolué, les choses ont beaucoup évolué. Et donc, le 24 février 2017, déjà, on avait à peu près 197 pays qui devait prendre part dans la convention. 132 avaient déjà ratifié en cette date-là. Du coup, l'accord peut être mis en œuvre par toutes les parties, et donc il est question aujourd'hui d'aller dans la mise en œuvre proprement dite. Alors, c'est justement là-bas que s'inscrit la notion de contribution déterminée au niveau national, ce qu'on appelle les CDN. Là également, je vous passe ce lien, un lien de 2 minutes et un lien de 6 minutes qui vous permettrait justement de mieux comprendre en quoi est-ce que les mécanismes de bilan mondial et la contribution déterminée nationale des parties sont justement s'imbriquent à l'intérieur de l'accord de Paris. Donc, il y a quelque chose de très important également qu'on a du mal à dissocier, c'est les objectifs de développement durable et les contributions déterminées au niveau national. En gros, ces deux programmes-là auxquels les pays se sont adhérés sont censés être mis en œuvre de manière intégrée afin d'exploiter les synergies et minimiser les compromis. Ainsi, si vous voyez bien, les ODD ont des objectifs d'ici 2030, mais également les CDN aussi ont un objectif similaire. Et dans l'un ou dans l'autre cas, justement, on parle de développement durable d'un côté, mais aussi de l'autre côté, on parle de développement durable avec une minimisation de l'empreinte carbone ou d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, ces deux programmes-là, on encourage les pays à ce qu'ils soient intégrés dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, et c'est ce que jusque-là, on essaye de faire tant bien que mal. Alors, les CDN qui sont au cœur de l'accord de Paris, elles fixent un objectif de maintenir les températures moyennes mondiales à au moins 1,5 degré. Ce sont des outils qui permettent donc de mesurer l'action de chaque pays dans le domaine de l'atténuation, mais également de l'adaptation, du transfert de technologies, du rapportage, etc., etc. L'objectif général, justement, est de faire en sorte que d'ici 2050, qu'on arrive à une croissance, un développement mondial qui a une tendance à l'équilibre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qu'on appelle le net zéro. Donc, dans son article 4, paragraphe 2, l'accord de Paris stipule que les parties doivent préparer et communiquer et aussi maintenir successivement leur contribution
déterminée au niveau national. C'est ce que donc chaque pays fait, chaque pays devait faire. Et donc, ces communications-là, là-dedans, dans ces rapports, les pays sont censés donner certaines précisions et une certaine visibilité sur leur contribution quant à la lutte contre les changements climatiques, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais également les changements climatiques. Ainsi, il est recommandé aux parties, donc les pays, de tenir aussi, de prendre à profit la science afin de pouvoir justement mener tout ce processus-là à terme. Alors, il est important pour nous de travailler autour de ces CDN-là. Je veux continuer à utiliser le sigle CDN pour que justement on puisse arriver à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Il faut se rappeler que l'accord de Paris veut impérativement réduire les températures, faire en sorte que le niveau des températures n'atteigne pas 2 degrés, avec bien sûr un objectif précis de garder les efforts pour que la température ne dépasse pas 1,5 degré. D'accord? Mais jusque-là, le dernier bilan qu'on avait fait des promesses faites par les pays à travers donc leur contribution déterminée nationale, on se rend compte que, à tout égal par ailleurs, si tous les pays arrivaient justement à mettre en œuvre leur contribution déterminée nationale, on aurait encore la température globale qui atteindrait les 2,7 degrés. Donc cet écart-là doit encore être résorbé. Et donc, les pays doivent faire des efforts pour qu'on puisse revenir à un taux, une réduction des températures de l'ordre de 1,5. Et pour cela, il va falloir que les parties saisissent davantage le développement économique et social de leur pays, les avancées technologiques, pour faire avancer justement leurs promesses de réduction à travers leur CDN. Mais il est aussi clair que ces CDN-là, ces accords-là, l'accord de Paris, pose aussi des opportunités, qui offrent de faire en sorte que les parties s'engagent à soutenir l'action climatique, mais également, c'est à travers ces accords-là, et à travers les rapports soumis dans les CDN, qu'on arrivera justement à voir quels sont les signaux forts qu'il faut envoyer aux décideurs politiques pour que justement, globalement, on puisse mettre des efforts ensemble pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, la mise à jour des contributions déterminées nationales en 2020 avait pour but de relancer le cycle vertueux de l'ambition qui se trouvait au cœur de l'accord de Paris. Et ça, en essayant de faire en sorte que chaque partie harmonise ses promesses et reste encore dans les règles du jeu telles que définies dans les accords, tout en restant aussi compétitif vis-à-vis donc du développement durable mondial. Alors, quelles sont les mesures de renforcement qui sont utilisées à l'échelle globale pour soutenir justement cet objectif d'émission net zéro? Ce diagramme ici, qui est publié par le World Resources Institute en 2017, montre un peu les différents efforts qui sont mis en œuvre par le cadre mondial, le cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour aider un peu cet objectif. Les objectifs définis par l'accord de Paris et les moyens utilisés par les parties telles que les CDN pour que on arrive à un équilibre net zéro des émissions climatiques, des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, à partir de 2020, on avait demandé aux pays de commencer à faire des communications autour et faire des mises à jour de leur CDN, leur rapport CDN. Et cela va maintenant continuer avec d'autres perspectives, telles que celui qu'on appelle le Global Stocktake. Donc, le Global Stocktake, ici, c'est un mécanisme justement de suivi, évaluation, de rapportage, mais aussi de vérification de qu'est-ce que les parties font, qu'est-ce que les pays font dans le cadre donc, de leur rapport de contribution déterminé au niveau national. Alors,
Comment on arrive justement à mettre en œuvre ces CDN-là? Il y a plusieurs pistes qui sont disponibles, que plusieurs idées sont là, plusieurs stratégies peuvent être utilisées. L'objectif global, c'est d'amener chacun des pays à réduire ses taux d'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ce diagramme ici, justement, fait allusion au type de trajectoire que l'on peut utiliser, que le parti, donc le pays peut utiliser, peut emprunter pour pouvoir réduire ses gaz à effet de serre. Parmi ces trajectoires-là, se trouve l'utilisation des énergies renouvelables et la réduction de l'utilisation des énergies fossiles comme source d'énergie dans les différents secteurs, parmi tant d'autres. Alors, en ce qui concerne les énergies renouvelables dans les CDN, on a commencé à comptabiliser cela justement à partir du 1er novembre 2021. Et donc, dans les rapports que chaque pays est censé soumettre au cadre mondial, au cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il y a une composante qui prend en compte justement les énergies renouvelables et donc il y a un suivi qui est fait par cela. Et ça, c'est un diagramme qui est publié par l'Agence internationale sur les énergies renouvelables, l'ENA, en 2021, et qui comptabilise en gros les efforts que les pays ont mis en perspective, par continent bien sûr, ont mis en perspective sur les énergies renouvelables. Bien sûr, si vous regardez bien, les ambitions sont assez grandes quand même en Afrique et en Asie, parce qu'en gros, on pense que pour les pays en voie de développement, l'opportunité est là justement de faire le développement autrement. En d'autres termes, faire un développement propre ou bien un développement sobre en émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'agence IRENA accompagne justement les pays dans le renforcement et la mise en œuvre des engagements, de leur engagement à travers les CDN, là, de leur engagement. Et cela, elle le fait avec beaucoup d'expertise dans divers domaines, avec un focus particulier sur les énergies renouvelables. Si vous vous rappelez très bien, hier, nous avons défini les différents secteurs émetteurs et on disait que l'énergie faisait partie des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre après au-delà des autres sous-secteurs. Donc, cette carte ici vous montre un peu les différents soutiens que l'IRENA avait apporté déjà et ses engagements, les engagements qu'elle a prises également auprès des pays pour les aider dans différents aspects de leur CDN. Alors, quelle est la place des marchés carbone dans l'accord de Paris? L'accord de Paris, dans sa globalité, c'est en particulier dans l'article 6 que les notions de marché carbone, marché climat sont beaucoup plus prises en charge. Donc, l'article 6.2 donne des directives comptables pour la déclaration des résultats. Donc, les résultats d'atténuation transférés au niveau international et les ajustements équivalents. Toutefois, les orientations devront être déterminées en 2022, donc à la prochaine COP qui est prévue à Sharm el-Cheikh en Égypte. L'article 6.4 met en place un mécanisme d'atténuation des émissions permettant donc d'émettre des unités pour des programmes et d'activités en s'appuyant sur des mécanismes de. Le protocole de Kyoto. L'article 6.4 sur les marchés carbone, désigne le principe de base de la coopération volontaire. D'accord? Il aussi désigne l'organe de supervision qui déterminera les exigences et les procédures pour l'application des garanties sociales, mais également il contient l'organe de supervision qui va élaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement de capacités afin d'appuyer justement les pays qui le souhaitent dans les notions de marché carbone. L'article 6.8, il stipule que le programme de travail pour les démarches non fondées sur le marché fasse progresser la coopération et n'implique pas les résultats d'atténuation qui sont transférés au niveau international.
Ainsi, le comité en charge des démarches non fondées sur le marché carbone a été créé à Glasgow et va permettre de travailler en 2022, donc cette année, pour pouvoir justement mener à bien toutes les conditions qui sont prescrites dans ces articles. Donc, il y a une certaine potentialité à cet article-là, dans cet article 6, qui en fait présente plusieurs démarches différentes pour, selon les pays. Ainsi, les pays peuvent coopérer à réaliser leur CDN. Rappelons-nous que les CDN, ce sont les promesses d'atténuation des pays, donc d'émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, donc, dans cet article-là, ils pourraient mettre en place aussi un cadre international permettant de relier les politiques de tarification du carbone, faciliter la création de clubs du carbone, tout ça pour permettre à des pairs ou des pays qui se ressemblent à se relier entre eux, réduire le coût de l'atténuation et permettre ainsi une forte ambition de la part des pays dans le domaine de l'atténuation, afin d'atteindre justement le net zéro que nous appelons ici le net. Donc, c'est ce que je viens de dire qui est résumé un peu dans ce diagramme-là, une façon de caricaturer un peu en gros les gros discours qui se trouvent, le potentiel qu'on a dans l'article 6. Et donc, si on se rapporte un peu aux différents rapports qui ont été faits par la Banque mondiale à travers son unité UETA, donc, qui fait le suivi justement des transferts et du marché carbone. Vous avez ici une illustration de la performance de chacun des pays du globe dans le concept donc de marché carbone. Cette carte ici vous montre l'état de lieu des contributions déterminées au niveau national quant à les ambitions qui ont été déclarées par pays vis-à-vis donc de l'aboutissement à l'objectif net zéro. Et donc les pays en bleu ici, c'est là où les ambitions sont le plus seront effectuées au niveau national. Et les pays en vert, ce sont là où les ambitions impliquent des recours aux marchés internationaux. Et là où c'est en noir, ce sont les pays qui pourront faire appel. Ils n'ont pas fait appel pour l'instant, mais ils pourront faire appel à des marchés internationaux. Quand c'est gris, c'est qu'on n'a pas encore d'informations spécifiques. Et pareil ici, pour les initiatives pilotes autour de l'article 6, il y en a pas mal à l'échelle globale. Et nous avons justement cette carte qui montre un peu les suivis et évaluations qui sont faits à partir de ça, par la Banque mondiale elle-même, mais par d'autres entités de par le monde, pour faire le suivi des projets pilotes autour de l'article 6. Alors, conformément à l'article 6, justement, on a un certain potentiel de différents marchés globaux. Vous avez ici le potentiel en tonnes carbone équivalent pour l'Union européenne, par exemple, l'Amérique du Nord et pour l'Afrique. Pour l'instant, vous voyez, si on zoome un peu sur l'Afrique, c'est seulement là que, justement, de la même manière que l'atténuation, l'Afrique est connue pour sa contribution moindre en termes d'émissions, c'est de cette même manière aussi qu'on a tendance à voir que sa participation au marché carbone a un faible potentiel, d'où la nécessité, justement, pour nous d'avoir secours et de vous créer les conditions, la capacité nécessaire pour pouvoir engager les pays africains sur le marché carbone. Alors, c'est encore une autre illustration du potentiel du mécanisme africain du marché carbone avec l'élimination fondée sur la nature, sur l'élimination basée sur la nature. Ce qu'on appelle l'élimination basée sur la nature ici, c'est vraiment les solutions basées sur la nature ou parlant de la séquestration à travers la forestation ou bien la régénération assistée de la végétation. Et donc, on a des estimations beaucoup plus importantes dans ce domaine-là en Afrique parce que la plupart des périmètres végétaux de l'Afrique, justement, sont susceptibles d'être utiles dans ce domaine. Ainsi, vous avez donc ce potentiel-là qui est exprimé en termes de prix
donc de dollars par tonne de carbone équivalent selon le PIB des pays. Donc, vous avez ici une carte selon le PIB des pays, ce qu'on a vu dans les CDN qui ont été soumis jusque-là, et vous avez des valeurs relativement très petites selon les pays africains. Alors, quelles sont les ambitions qui ont été énumérées ou qui ont été exprimées dans le pacte de Glasgow sur les émissions, avec pour ambition le net zéro d'ici 2050? Je rappelle ici la notion qu'on avait donnée dans le module 1 du concept de net zéro. Net zéro, on dit, c'est cette condition permettant d'équilibrer les gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère par la quantité de gaz à effet de serre éliminée de l'atmosphère. Donc, ici, on va essayer chaque fois de faire en sorte que les deux s'équilibrent. Pour cela, il faut que fassent des efforts et ces efforts-là doivent être exprimés et orientés à travers ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire les CDN, les contributions déterminées nationales. Alors, quels sont ces pactes-là? Vous pouvez les retrouver résumés en 4 minutes sur une vidéo YouTube dont je vous mets le lien ici. C'est les points essentiels à retenir, mais aussi une meilleure compréhension du pacte de Glasgow. Pourquoi est-ce que, par exemple, l'Inde ne s'était pas engagée à éliminer progressivement le charbon? Vous trouverez des réponses à ces questions-là dans une autre vidéo YouTube de 6 minutes. Donc, alors, c'est quoi l'ambition du net zéro? Ce diagramme vous donne en gros ce que c'est. C'est que nous sommes à partir de 2020 dans cette zone-là. L'idée, c'est d'aller progressivement vers une sorte de nettoiement, si je peux m'exprimer ainsi, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et que cela se fasse progressivement dans le temps jusqu'à arriver à un équilibre quasi parfait. En gros, c'est cela. Alors, c'est fonction de beaucoup de choses, mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le concept amène justement les parties, c'est-à-dire les pays, à s'engager, à changer un certain nombre de mécanismes de développement pour justement aboutir à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, à l'agenda de la COP l'année passée, 2026, il était question justement de regarder toutes ces ambitions-là et atteindre 4 objectifs principaux: garantir l'absence totale de réchauffement de la planète d'ici donc le milieu du siècle, s'adapter afin de protéger les populations et les habitats, mobiliser des financements et travailler de concert à atteindre tous ces objectifs. Et donc, c'était là justement que les États, il était accepté, il était convenu que à cette COP-là, on va garantir l'absence totale de réchauffement de la planète selon les conditions suivantes, que les États doivent présenter des objectifs beaucoup plus ambitieux, et cela à l'horizon 2030, à travers leur CDN, qui correspondrait justement à une émission nette zéro. Okay? Ensuite, pour atteindre ces objectifs-là, les pays doivent accélérer l'élimination progressive du carbone, donc du charbon, pardon, encourager les investissements dans les énergies renouvelables, réduire la déforestation et accélérer le passage vers les véhicules électriques, parce qu'on sait aussi dans le domaine de l'énergie, le transport est un sous-domaine le transport, pardon, dans le secteur du transport, le transport fait partie aussi des secteurs qui polluent le plus. Alors, comment on peut justement, entre-temps, pendant qu'on essaie justement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas le choix, il faut également s'adapter afin de protéger les populations et les habitats naturels, d'où la nécessité de travailler ensemble pour permettre et encourager les pays qui sont touchés par les événements extrêmes climatiques à protéger et restaurer les écosystèmes, et à mettre en place des systèmes de défense et d'alerte, à rendre les infrastructures et l'agriculture plus résiliente afin d'éviter des pertes d'habitats naturels, mais aussi des moyens de subsistance et des moyens de vie. Alors, c'est ainsi que le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes a été justement totalement intégré dans la lutte contre les changements climatiques à l'avenir. Alors, pour mobiliser les fonds,
À la COP 2026 de l'année passée, on avait justement fixé deux objectifs majeurs. Donc, un, les pays développés doivent tenir leur promesse à lever au moins 100 milliards de dollars de financement pour le climat par an, en s'inspirant des engagements pris donc à Copenhague en 2015. Et les institutions financières internationales doivent jouer leur rôle et permettre justement de mobiliser des milliers de milliards de dollars de fonds privés et publics aussi nécessaires pour garantir à ce que les émissions soient équilibrées et qu'on atteigne donc l'objectif net zéro d'ici 2050. Alors, travailler ensemble, c'était une nécessité parce qu'on sait que le changement climatique ne reconnaît pas les frontières. Donc, il faut que la planète soit à mesure de relever les défis des changements climatiques en unissant nos forces. Et cela va avec beaucoup de solutions telles que les transferts de technologies et les renforcements des capacités. Et donc, il va falloir et il est nécessaire d'achever la rédaction du règlement donc de l'accord de Paris. Parce qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas un concept réglementaire pour l'accord de Paris dans lequel peut-être il va falloir qu'on se force à faire certaines choses avec des pénalités si cela est nécessaire. Il est également nécessaire de transformer les ambitions en actions, en accélérant la collaboration entre les États, entre les entreprises, entre les sociétés civiles, afin que justement tous les objectifs qu'on s'est fixés dans l'accord de Paris soient atteints rapidement. Alors, il y a un gros débat qui est lancé et nous sommes tous conscients aujourd'hui avec la guerre en Ukraine qui se passe et la menace de la Russie à couper, par exemple, les vannes du gaz à l'Europe. Il y a justement des partis qui sont en train de revenir sur ce qui est censé ne pas l'être. Et donc là, le fait de quitter les combustibles fossiles. Donc, il y a un débat qui se fait sur le retrait ou l'élimination progressive des combustibles fossiles et de l'interdiction du charbon à son élimination progressive d'ici. Donc, ça, les débats avaient commencé l'année passée pendant la COP26 et cette année, certainement, ils vont aussi s'inviter dans la COP, pendant les débats dans la COP 27 à Chambéry. Alors, il y a bien sûr un jeu de questionnaires autour de tout ce que je viens de dire ici. Ce qui est important, c'est que vous allez sur les liens qui ont été mis à disposition, vous révisez un peu ce que je viens de dire, et le tout doit être que le tout devait vous permettre de répondre aux questions qui sont posées. Ces questions, comme je l'ai dit dans le module 1, vous permettent de vous auto-évaluer et de voir où est-ce que vous en êtes, mais aussi ça vous permet à la fin de cette formation de pouvoir vous procurer un certificat de participation. Merci beaucoup pour votre attention.